Shalom, shalom, bonjour la famille. Enfin, le jour tant attendu est arrivé. Family Togetherness à Louvain-la-Neuve, à cette magnifique salle de la Fondation Wallonne. Les intercesseurs se sont donnés un grand rendez-vous afin d'intercéder pour les familles. Vous l'avez certainement entendu quelque part, partagez, likez, commentez sur Facebook, sur les autres réseaux sociaux. Voilà, nous sommes là rassemblés pour ce grand événement avec toute la famille Family Togetherness. Nous prions pour les familles ce soir, plus de réconciliation, plus d'amour, plus de bonheur dans les familles, plus de prospérité. Le rendez-vous est donné. Tout de suite sans tarder, nous allons à la rencontre des intercesseurs. Alors nous sommes avec la chanteuse Marilyn Mack, invitée spécialement à cette rencontre Family Togetherness, et elle nous vient de Liège particulièrement. Bonjour Marilyn. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Alors cette rencontre Family Togetherness, l'intercession pour les familles, tu as été invitée à ce programme, qu'est-ce que tu nous réserves? Je réserve que je vais partager quelques chants autour de ce que j'ai vécu dans ma vie. Ok, si tu avais un message à véhiculer autour de ce thème, intercéder pour les familles, quel serait le message? Je dirais de vraiment persévérer et de, voilà, si vraiment il y a des soucis dans la famille ou quoi que ce soit, de vraiment continuer à prier et de croire que Dieu est la lumière dans vos vies et qu'il va répondre à vos prières. Voilà, merci Marilyn pour ta contribution. Merci à vous, voilà, soyez bénis. Au revoir. Dieu est votre Père pour nous. Et si vous vivez des moments difficiles, criez vers lui parce qu'il est votre ami fidèle. Amen. Yeah.
avec une de nos invitées encore ce soir. Il s'agit de la chanteuse Deborah Koudios. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. S'il vous plaît, les Grecs, ne m'en veuillez pas, je fais de mon mieux. Voilà, Deborah, elle nous vient de la ville de Liège, en Belgique. Bonjour, Deborah. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Alors, pour ce programme Family Togetherness, l'intercession pour les familles, qu'est-ce que tu nous réserves de magnifique encore aujourd'hui? De pouvoir vraiment faire des salles à la présence de Dieu pour que justement les familles s'unissent, parce que de nos jours il y a beaucoup de divisions dans les familles et ça crée beaucoup de problèmes dans la vie des enfants en général. Donc tout ce que j'espère et je crois fermement dans mon cœur que ce soir des choses vont changer et que les familles puissent vraiment se restaurer entre elles. Si tu avais un mot à passer à l'endroit de toutes les familles qui nous regarderont, parce qu'il y aura certainement un live sur Facebook ce soir, il y aura une émission qui va passer plus tard. Est-ce que tu as un message à passer concernant justement ce problème de division dans les familles? Je crois que d'abord, premièrement, c'est vraiment mettre Dieu à la première place. Quand Dieu est à la première place et qu'on lui donne tout, qu'on laisse tout entre ses mains, lui-même après fait le reste. Parce que parfois on essaie de faire les choses par notre professeur et après on est découragé, on se tourne pour qu'on n'arrive pas. Mais c'est parce qu'en fait on a vraiment besoin de vraiment donner tout son cœur. Pas 50% mais 100%. Et c'est ça qui fait la différence en fait. Et c'est ça qui va unir les familles. Et bien sûr, quand on aime Dieu, le pardon il vient automatiquement. Voilà, voici donc, c'était une magnifique sœur Deborah Koudios. Voilà, merci Deborah. Merci à vous. Et toutes nos salutations à Liège aussi. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Alors si tu es dans la joie, pousse et crie la joie. Et que ta joie pousse et crie la joie. De l'éternel qui va nous transporter dans les profondeurs de l'adoration, dans l'intimité de Seigneur, en ce lieu. Alléluia. Aidez-moi à recevoir par vos acclamations la sœur Deborah. La sœur Deborah, si vous voulez, sous une acclamation pour le Seigneur, l'éternel et l'ami. Alléluia. Vous allez bien? Alors j'ai interprété un chant qui me tient beaucoup à cœur et qui nous parle que seulement je veux seulement être avec toi et te voir face à face. Seul avec toi.
nous sommes avec la chante Carolina, cette fois-ci qui nous vient de Bruxelles. C'est la capitale européenne, c'est la capitale de la Belgique, c'est une magnifique ville. Bonjour Carolina. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, et toi tu vas bien? Très bien, merci. Alors nous sommes là pour l'événement annoncé depuis le début de l'année, Family Togetherness, l'intercession pour les familles. C'est un événement organisé par le ministère d'intercession pour les familles et tu es l'une des artistes invitées à ce programme. Qu'est-ce que tu nous réserves de beau? Simplement quelques mots qui viennent du cœur, quelques notes qui viennent du cœur pour nous rappeler que la famille c'est très important et que l'unité dans la famille c'est très très important et c'est essentiel. L'intercession pour les familles aujourd'hui se base sur la famille biologique, la famille naturelle, la famille spirituelle, la famille chrétienne. Quel est le mot que tu pourrais passer à l'endroit de toutes les personnes qui vont nous regarder naturellement sur Facebook, sur les réseaux sociaux et autres? Je dirais simplement que la vie nous réserve beaucoup d'événements, beaucoup de challenges, beaucoup de situations parfois des plus compliquées. Mais dans toute situation, le plus important, c'est d'aller de l'avant et de se pardonner les uns les autres et d'être toujours dans un amour, l'amour de Christ qui pardonne tout et qui nous permet justement d'avancer. Voilà, nous retenons de Carolina l'amour, le pardon, des éléments essentiels pour l'unité et la cohésion dans les familles, la réconciliation. Merci Carolina pour ton apport et toutes nos salutations à ta famille à Bruxelles. Merci beaucoup, à bientôt. Et au cher mon petit garçon qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Tu veux dire bonjour? Bonjour. Ok, au revoir, merci Carolina. Merci beaucoup. La louange à notre Dieu.